Quand on évoque la finale du 100 mètres de ces Jeux Olympiques, on parle beaucoup de la rivalité entre Yoann Black et Usain Bolt, mais attention à ne pas oublier Asafa Powell. Présent à Londres pour disputer ses troisièmes JO, le Jamaïcain veut effacer ses précédents échecs. Maurice Greene l'a rencontré pour Eurosport. Je me suis entraîné à fond pendant ces 9 derniers mois pour ces Jeux Olympiques. J'attends ce moment avec impatience, je veux la médaille d'or. Le 100 mètres est une discipline tellement exigeante, il faut se dire que tu peux finir premier de la course, sinon tu termines dernier. Il faut être convaincu que tu peux terminer premier. Bien sûr, la médaille d'or, c'est la médaille que tout le monde veut. Mais bon, on verra bien qui l'aura le jour J. J'ai appris à ne plus trop me mettre la pression, car ces dernières années, je me mettais beaucoup trop de pression sur mes épaules. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de raison de mettre la pression. Je n'ai rien à perdre, je dois juste me concentrer sur ma course et espérer faire un bon résultat. Pour le premier tour, le deuxième ou la demi-finale, en général j'écoute mon coach, je fais ce qu'il me dit. Mais pour la finale, à chaque fois, j'ai tendance à n'écouter que moi-même et c'est là où je me plante. Il faut vraiment que j'écoute plus les conseils de mon coach pour courir comme je suis supposé courir. Et alors je courrai très vite lors de la finale, il faut que j'arrête d'en faire qu'à ma tête. Pour moi, je n'ai pas 29 ans, sauf quand les gens me le rappellent. Dans ma tête, j'ai vraiment toujours 21 ans. Mais bon, le fait de voir arriver de jeunes sprinteurs, c'est vrai que ça fait bizarre, c'est très excitant. Au début, je me disais, mais d'où viennent ces gars? Mais bon, ils sont tous très motivés. Tout le monde connaît Usain Bolt, quand il a débarqué, il a écrasé toute la concurrence. Il y a aussi Michael Frater. Mais bon, c'est bien, ça tire tout le monde vers le haut.